En fait, on est cerné, en fait. Bon, alors, pardon d'avance pour les personnes qui nous verront de dos, mais bon. Très bien, mais merci beaucoup. On va commencer sans plus tarder cette conférence débat, cet entretien avec Sylvia Nagasinski, et donc à qui je souhaite la bienvenue à Pau, puisqu'en plus, sans trahir de secret, je crois que vous ne connaissez pas cette ville, donc c'est l'occasion de la découvrir si vous avez un peu de temps demain. Ce soir, ça sera un peu trop tard. Merci à tous d'assister aussi nombreux à cette rencontre des idées mènent le monde. Alors, si je peux me permettre une petite incise personnelle, moi, je suis très heureux de revenir à Pau, où ma fille a vu le jour il y a 30 ans, sans PMA ni GPA, je tiens à vous le préciser. Pour discuter avec Sylvia Nagasinski. Alors, ne fuyez pas la conférence, elle avait été annoncée comme éloge de la différence, et en fait, ce n'est pas... Non, le droit à la différence, pardon, et en fait, ce n'est pas du tout le thème de la conférence, même si on va parler de la différence, bien entendu, mais c'est en fait éloge des limites. Et ça s'inscrit donc évidemment dans le cadre du thème général des idées mènent le monde sur en quoi peut-on croire encore. Sylvia Nagasinski, je vais vous présenter très rapidement, je pense que c'est un peu superfétatoire, mais c'est un exercice un peu obligé, même si j'ai lu quelque part que vous n'aimiez pas l'exercice du biographique, du moins pour signaler que votre travail philosophique est tout à fait indépendant de votre vie privée. Rappelez quand même que vous êtes agrégé de philosophie, que vous avez enseigné au lycée Carnot et à l'école des hautes études en sciences sociales, et surtout que vous avez publié plusieurs livres qui ont fait référence sur le thème un peu les rapports entre les sexes, sur la bioéthique, sur les progrès en matière scientifique. Donc on va en signer quelques-uns. Vous avez entre les mains le dernier, dont je rappelle le titre, pardon, je le cherche, mais c'est L'homme désincarné, voilà, hop, qui est paru chez Gallimard dans la petite collection Tract. Je cite également le Femme entre sexe et genre, que vous aviez fait paraître en 2012, qui a reçu le prix de l'Académie française. Métaphysique des sexes, Le drame des sexes, Corps en miettes. Et vous avez également participé à un ouvrage collectif sur la plus belle histoire des femmes avec Françoise Héritier, Michel Perrault et Nicole Bacharan. Voilà. Je vous propose donc qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Puisque le thème de la soirée est consacré à en quoi peut-on croire encore, je voudrais d'abord, après vous avoir donné le micro, et après avoir rappelé, pardon, c'est important, que nous allons parler ensemble avec Sylvia Nagasinski pendant 40-45 minutes à peu près, et qu'ensuite il y aura un quart d'heure d'échange avec la salle. Donc vous êtes très nombreux, j'aime autant vous prévenir que tout le monde ne posera pas une question. Donc ça sera forcément arbitraire. Ne m'en veuillez pas s'il y a des gens qui, dans la salle, n'ont pas réussi à poser de questions, mais c'est la loi de l'exercice. Alors, Sylvia Nagasinski, je voudrais d'abord que vous, en tant que philosophe, vous me définissiez un peu le terme de croyance. Qu'est-ce que la croyance? Et en approfondissant un peu ma question, est-ce qu'on peut séparer la croyance du religieux? Je vous pose cette question parce que, sans doute, les thèmes qu'on va aborder... même s'ils ne sont pas forcément religieux, la religion y interfère beaucoup pour tout ce qui est bioéthique, procréation, famille, etc. Donc, comment définiriez-vous la croyance? Oui, c'est une bonne question pour commencer. Bonsoir à tous, d'abord, et merci beaucoup d'être là. Moi, je suis très heureuse d'être à Pau. Je connais un petit peu, mais pas beaucoup, donc j'étais très contente, très heureuse d'y revenir. Oui, ce qui m'a frappé dans l'énoncé fort intéressant de la question qui est au programme de toutes ces rencontres, c'est en quoi peut-on croire encore? Et cet encore, évidemment, m'a beaucoup frappé, comme si, et je crois que c'était certainement dans l'idée, comme si la croyance était quand même
dans une certaine mesure, quelque chose de passé, quelque chose de derrière nous. Et j'aimerais voir en quoi c'est encore derrière nous et en quoi il s'agit peut-être au fond d'autre chose aujourd'hui que de croire, mais ça j'y viendrai tout à l'heure. Oui, d'un point de vue philosophique, la croyance est toujours opposée au savoir. Croire n'est pas savoir. Il est intéressant de revenir à la langue. J'aime bien revenir à la langue, à l'origine des mots, et donc au mot credo, qui nous conduira bien sûr à la religion. Qu'est-ce que ça veut dire, credo ? Bien, le premier sens de credo, c'est prêter, en latin, c'est prêter un objet à quelqu'un. Et on voit bien pourquoi, parce que quand on prête quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on a confiance dans cette personne. Et finalement, le premier facteur finalement de l'idée de croyance, c'est la confiance. Le deuxième grand sens de croire, et encore une fois à partir du latin, c'est tenir quelque chose pour vrai. Et quand on tient quelque chose pour vrai, ça veut dire qu'il y a une part, si on peut dire, une part d'incertitude. On la tient pour vrai, mais on n'est pas dans la certitude, cette certitude que cherchait Descartes, cette certitude que cherchent évidemment les sciences et les techniques, une espèce d'exactitude et de savoir sûr de lui-même qui nous vient soit de l'expérience, soit du raisonnement. Personne ne dirait « je crois que 2 et 2 font 4 » ou « je crois que la somme des deux carrés de l'angle droit est égale », etc. Le théorème de Pythagore. On ne va pas dire « je crois », on va dire « je sais ». Donc le deuxième aspect, c'est l'incertitude. Et puis le troisième aspect, c'est le rapport au temps. On a besoin de croire ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas, donc soit le passé, les origines, soit bien entendu l'avenir. Et le troisième sens de croire, y compris en latin, c'est croire fermement. Ce qui ne veut pas dire être sûr au sens scientifique du terme, mais qui veut dire qu'on a un rapport intime de conviction forte, de conviction en quelque sorte vécu. Et c'est ce croire fermement, qui se dit credito, qui nous conduit à la signification de la foi religieuse, mais aussi au crédit. Aussi au crédit. Il faut croire fermement qu'on vous remboursera pour faire crédit à quelqu'un. Donc on voit tout ce système de créances, croyances, crédit, crédité, je vous fais le crédit, faites-moi le crédit, de quoi, etc. Alors, effectivement, la forme la plus profonde, la plus forte de la croyance ferme, c'est la foi religieuse. Dans notre civilisation, on se réfère aux religions du livre, comme on dit, que ce soit l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ou le Nouveau Testament, la Bible, ou pour les musulmans, à nouveau, ce rapport au livre. Et de quoi il s'agit, au fond, avec la foi religieuse ? Ça n'est pas simplement une opinion. Ça n'est pas l'idée des déistes du XVIIIe siècle, comme Voltaire, qui disait oui, Dieu, il doit bien y avoir un Dieu, puisqu'il n'y a pas d'horloge sans horloger, etc. Dieu existe, je pense, je crois que Dieu existe. Non, ça c'est une simple opinion philosophique, ou même une opinion un peu commune. La foi, c'est une chose que j'ai essayé d'approfondir dans le livre qui m'a coûté le plus de travail, j'ai travaillé 4 ans dessus, qui s'appelle « Métaphysique des sexes ». J'ai un peu exagéré avec ce titre sur les sexes, mais enfin, passons. Non, mais c'était très important parce qu'il s'agissait de comprendre ce que signifiait masculin et féminin pour les théologiens à partir de Saint Paul jusqu'à Saint Augustin. Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais c'était déjà énorme. Et donc, j'ai approché davantage dans le contexte de ce travail ce qu'était la foi religieuse en étudiant, par exemple, Saint Augustin. Et là, j'ai compris que la foi devait se comprendre comme une expérience profonde, une expérience intime, une expérience vécue. Et ça, on l'a ou on ne l'a pas. Alors évidemment, ça peut tabler sur la révélation, l'autorité des Écritures, etc. Mais si ça n'est pas vécu,
Et si on ne peut pas vivre dans la foi, vous savez, Kierkegaard disait, la vérité, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce dans quoi on vit. Moi, je serais même tentée de penser que la vérité, c'est peut-être quelque chose dans quoi on peut vivre, dans quoi on peut exister vraiment en accord avec soi-même. Et donc, cette foi, elle est une foi, bien sûr, en Dieu, le Créateur, pour les chrétiens, en la naissance du Fils, l'Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne me lance pas parce que sinon je vais rester beaucoup trop longtemps. Absolument, ne vous lancez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que cette foi en Dieu est évidemment une confiance en un Dieu bon, auquel on peut se fier, un Dieu paternel, et surtout une espérance. Et je pense que là, c'est la dimension essentielle de la foi religieuse, c'est l'espérance. Et en l'occurrence, si on prend le christianisme comme exemple, puisqu'il est constitutif quand même de notre histoire, c'est l'espérance, en l'occurrence, du salut personnel, l'espérance de la rédemption, l'espérance de la vie éternelle. Donc c'est une espérance, mais ce n'est pas une espérance dans ce monde-ci. Enfin voilà, c'était pour tracer d'accord. Un peu les directions. Mais juste, pardon, je rebondis un peu sur le début de votre réponse avant qu'on poursuive. Vous avez dit croire n'est pas savoir. C'est-à-dire on peut quand même à la fois croire et savoir. Ça n'est pas antinomique. Si, d'une certaine façon, c'est antinomique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne va pas dire je crois que de fond 4. Donc c'est pas la même chose. En revanche. Je disais l'autre jour, malheureusement, je suis en train d'oublier le nom de l'auteur, quelqu'un qui disait, oui, il y a des choses qu'on sait auxquelles on ne croit pas. C'est l'incroyable. Et je pense que l'incroyable, c'est ce qui est trop terrible, trop affreux, trop épouvantable pour qu'on y croie vraiment. Et c'est une chose dont j'aurais voulu parler tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais au fond, on sait que, historiquement, il y a des gens qui n'arrivaient pas, tout en sachant, à croire. Au camp d'extermination, par exemple, ou nous-mêmes aujourd'hui qui savons vers quelle catastrophe on va si on continue à vivre comme on vit et à rechercher une croissance ou une production comme on le fait maintenant, on va à la catastrophe, on le sait, c'est pas sûr qu'on le croit vraiment. Mmh, oui, d'accord. Alors, venons-en donc au livre que vous avez fait paraître en juin dernier, donc je le rappelle, L'homme désincarné. Dans la collection Tract Gallimard, dont le slogan, c'est Régis Debray qui avait écrit le premier volume de cette nouvelle collection. C'est plus qu'un article, moins qu'un livre. Voilà, c'est un peu vous m'avez dit, c'est à peu près 60 000 signes. Pour ceux qui connaissent les formats d'un article ou d'un livre, ça vous donnera l'idée de la longueur du livre. Vous faites justement une critique virulente du progressisme actuel. Est-ce que vous diriez que l'actuelle crise de la croyance, donc de la confiance, vous semble liée à une remise en cause du progrès ? Oui, bien sûr, bien sûr. J'évoquais tout à l'heure la croyance religieuse, mais on pourrait évoquer aussi une croyance qui s'est beaucoup inspirée de la croyance religieuse, qui est la croyance révolutionnaire. Regardez ce que dit Mona Ozouf, Pierre Nora et d'autres, sur la croyance révolutionnaire qui, au début, jusqu'à 1791, se référait encore au christianisme. L'égalité, la liberté, la fraternité, c'était des idées, en quelque sorte, qui étaient sécularisées dans la vie sociale et politique, mais qui avaient une tonalité, on va dire, religieuse. Alors, le progrès, c'est plus le 18e siècle, c'est la grande, c'est le grand mythe, on pourrait dire, du 19e siècle. C'est vrai qu'il y avait quelques réserves sur le progrès. Je pense à Victor Hugo qui disait le progrès, cette roue à double engrenage qui fait marcher quelque chose en écrasant quelqu'un. Il avait tout compris de l'ambiguïté, finalement, des progrès, notamment des progrès techniques, et de certains types de progrès qui ont toujours des effets ambigus ou ambivalents. Alors, c'est la grande affaire du 19e siècle, parce que c'est la grande époque des philosophies de l'histoire. Donc,
on passe des progrès, comme on trouve chez Condorcet, par exemple, les progrès de l'esprit humain, à le haut progrès, avec un P majuscule, avec les grandes philosophies d'histoire, côté allemand ou côté français. Côté allemand, c'est évidemment la philosophie de l'histoire de Hegel. Avant, il y a l'idée de progrès moral chez Kant. L'homme témoigne d'une telle aptitude à la morale, enfin croyait-il, qu'il y aura inéluctablement un progrès moral de l'humanité. Et puis la grande philosophie de l'histoire de Hegel, c'est que l'histoire tout entière, mais qui pour lui est en train de s'achever à son époque, c'est l'histoire de la liberté qui est enfin accomplie parce que la raison a gouverné l'histoire. Mais c'est une histoire qu'on regarde en arrière comme si elle était achevée. Et puis il y a la grande philosophie de l'histoire française, évidemment, qui est le positivisme d'Auguste Comte, avec l'idée aussi que grâce à l'organisation sociale, scientifique même du travail et de la société, l'organisation sociale de la société, on va pouvoir arriver à un âge enfin positif qui est celui de la rationalité, et que tout ça implique un progrès global, les sciences, les techniques, la société, la morale, les mœurs, donc, etc. Et puis, bien entendu, tout cela s'écroule complètement au XXe siècle. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut plus parler du progrès avec une majuscule. Il y a évidemment, j'essaie de faire vite, mais enfin, on pense évidemment à la Grande Guerre. Et il faut se souvenir que le grand soupçon, l'ère du soupçon sur la technique commence immédiatement après la Grande Guerre, les livres de Ernst Jünger, par exemple, sur le travailleur. Les livres, il y a un auteur passionnant, alors on ne s'y attendrait peut-être pas, qui est un auteur anglo-saxon, qui est D.H. Lawrence, l'auteur de La Mandelée de Chatterley. Magnifique roman. Et tous ses textes sont magnifiques. C'est un auteur que, si vous ne l'avez pas totalement lu, je vous conseillerais volontiers de beaucoup lire. Et là, il avait compris à travers, bien qu'il ne l'ait pas faite lui-même, il était malade, il avait compris à travers la Grande Guerre ce que la machine était en train de faire aux hommes. Et la violence incroyable que, pour le travailleur d'un côté comme pour le soldat de l'autre, l'être humain était broyé par ses propres techniques. Il avait aussi compris que l'homme moderne devenait de plus en plus, à cause de la technique, un homme fonctionnel. Tout devait être fonctionnel. Donc là, on a vraiment un effondrement, j'ai pris quand même quelques notes pour essayer d'être un petit pense-bête, de l'espérance dans le progrès qui n'est plus possible. Évidemment, il faudrait ajouter la Seconde Guerre mondiale, les camps d'extermination, la bombe atomique, et puis aujourd'hui le réchauffement climatique et la catastrophe annoncée dont je parlais tout à l'heure. Donc, on ne peut plus vraiment parler de progrès. Cette exploitation illimitée de la Terre nous mène à la catastrophe, je pense. Mais est-ce que, on va rebondir dessus, juste je vous relance sur ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas à l'inverse aussi le progrès qui peut-être permettre, alors évidemment, vous l'avez cité, tous les progrès qui ont abouti à des catastrophes, des drames ou des tragédies, des génocides, mais par exemple sur le réchauffement climatique, est-ce que ça ne peut pas être des progrès scientifiques qui permettent aussi, sinon de le réduire, ça je crois que malheureusement on ne pourra pas, on ne peut que l'atténuer, mais est-ce que justement ce n'est pas le progrès qui peut permettre de progrès scientifique qui peut permettre de combattre, pas de résoudre encore une fois, mais disons en tout cas d'atténuer les effets du réchauffement climatique. Bien sûr, il ne s'agit pas de revenir à l'âge de la pierre taillée. On ne peut aujourd'hui que, non seulement pas faire confiance à la science, mais s'appuyer sur la science pour changer la manière de produire de l'énergie, par exemple. Et donc, c'est à nouveau des techniques qui pourront nous aider à éviter la catastrophe, mais à condition, j'y reviendrai tout à l'heure, à condition qu'on cesse de se dire qu'il faut produire toujours plus, parce que sinon, on n'y arrivera absolument pas, quelles que soient les techniques
utilisé. Ce que je voulais dire aussi par rapport au progressisme, c'est que ce qui me choque beaucoup, c'est une espèce de survivance molle d'un progressisme ambiant. Aujourd'hui, par exemple, on l'entend très souvent, il faut avancer, parce que sinon on va être en retard. Avancer vers quoi? En retard par rapport à quoi? On ne sait pas trop. Et pour dire quelque chose, tant pis, c'est à l'égard d'une personne, c'est le président du comité consultatif national d'éthique, qui m'avait beaucoup choqué, je dirais, en disant, quand il était question du rôle de l'éthique justement par rapport aux nouvelles technologies, aux biotechnologies, oh, il disait, mais vous savez, moi je ne sais pas ce que c'est que le bien et le mal, je ne sais pas ce que c'est que l'éthique, au fond à chacun son éthique. L'important c'est de comprendre où la science avance, la science toute seule, et où, comment la société avance. La société avance vers quoi, comment, pourquoi, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est pas souhaitable. Et ça, je trouve que ce progressisme-là, il faut avancer, on ne sait pas où, et qui, dès qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, vous dites que c'est vous qui régressez parce que vous n'avancez pas assez vite. Et ça, c'est très grave et ça appelle une vraie réflexion. Oui, parce que d'une certaine façon, le progressisme, c'est devenu, j'allais dire, un mot valise. Alors, on ne va pas tomber dans un débat politique. Le but de la conférence n'est pas là. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a un nouveau clivage qui apparaît entre le progressisme et le conservatisme, sans qu'on sache bien définir ce qu'est le progressisme. En fait, tout le monde se définit comme progressiste parce que, je veux dire, il ne faut surtout pas apparaître comme conservateur, que ce soit en politique ou ailleurs. Donc le progressisme est devenu un peu une sorte de tarte à la crème, si je puis dire. Parce que la question est de savoir qu'est-ce qui progresse. Est-ce qu'on progresse vers le bien commun ou pas? Est-ce qu'on progresse vers l'harmonie sociale ou pas? On ne peut pas considérer le progrès ni globalement, ni indépendant de ses forces, de ses formes particulières. D'autre part, moi je suis un peu gênée à l'époque de l'écologie qu'on pense encore que le mot conserver est péjoratif. Parce que la planète, moi je préfère dire la Terre personnellement, mais la Terre, elle mérite d'être conservée. Chaque fois qu'il y a des choses qui méritent d'être conservées, parce que, j'y reviendrai tout à l'heure, on leur accorde une dignité, c'est-à-dire une valeur particulière, il y a la beauté, hein, par exemple, la beauté de la nature, la richesse, la diversité de la nature, et l'être humain, il mérite peut-être quand même d'être conservé aussi. Donc le mot conserver, je crois qu'il faut, si je puis dire, arrêter, comme on dit un peu bêtement, il faut cesser de voir simplement le côté négatif de la conservation. Regardez un conservateur de musée, c'est très important, les œuvres d'art, ça mérite d'être conservé. Donc, la critique du conservatisme, ça vaut absolument rien. Donc on y reviendra. on y reviendra plus tard. Mais alors, je voudrais revenir sur le progressisme pour avec vous, depuis l'époque des philosophes, des Lumières dont vous avez parlé, ou des philosophes allemands, il y a eu énormément de progrès, la démocratie, les droits sociaux, les droits de l'homme. Il y a eu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 au lendemain de la guerre. Il y a eu aussi un progrès considérable qui s'est rajouté au triptyque de la République française, liberté, égalité, fraternité, la dignité de la personne humaine. Tout ça, ce sont quand même des progrès importants. Oui, vous avez tout à fait raison de le souligner. De même que parmi les progrès techniques, il y a les progrès médicaux. Personne ne voudrait aujourd'hui vivre à une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, où il n'y avait pas d'antidouleurs. On n'imagine pas, j'ai lu des choses atroces là-dessus, mais tout le monde en a lu, la souffrance des hommes du passé, y compris des hommes les plus puissants, les plus riches. Au XVIIe siècle, les gens souffraient le martyre avec les maladies. Donc, je ne nie pas tout
forme de progrès. Là, au moins, il y avait égalité devant la douleur, qu'on soit riche ou pauvre, d'une certaine façon. Ah oui, des fois même, c'était pire quand on était riche, parce que les médecins qui venaient vous faire des saignées à n'en plus finir, ça vous achevait plus sûrement que n'importe quoi. Donc, vous avez tout à fait raison d'évoquer les progrès en matière de droit, alors non seulement des techniques médicales dont je viens de parler, mais des progrès en matière de droit et de démocratie. Et ces progrès ont lieu effectivement soit à l'époque de la Révolution française, la déclaration évidemment des droits de l'homme de 89, et ensuite toutes les grandes déclarations fondamentales, si vous voulez. Celle de 93 a été extrêmement importante parce que c'est en 93 qu'a été aboli l'esclavage et la domesticité. On l'oublie parce que la domesticité était également une manière de s'approprier, moins que l'esclave bien sûr, mais la vie privée des individus. Et puis la deuxième abolition de l'esclavage, puisque Napoléon l'avait rétabli, la deuxième abolition de l'esclavage 1848, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette progression et dans cette notion de droit, c'est qu'il s'agit peut-être plus justement de croyance. Je ne dirais pas « je crois aux droits de l'homme ». La Constituante en France ou la Déclaration universelle en 1948 n'a pas dit « nous croyons à la dignité humaine, la liberté humaine, l'égalité des peuples, etc. et des hommes ». Justement, c'était une déclaration. Et dans la déclaration, il y a l'idée d'institution, c'est-à-dire on institue et on reconnaît. Et dans la déclaration de 48, j'avais noté que les nations reconnaissent la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Cette reconnaissance, c'est une décision. Et je dirais que ce genre de décision qui institue dans la société certains principes fondateurs, eh bien, au lieu d'être une croyance, c'est la prise d'une responsabilité. Qu'est-ce que être humain ? Qu'est-ce que vivre humainement les uns avec les autres ? Eh bien, vivre humainement, c'est reconnaître entre nous, on s'accorde là-dessus, on reconnaît que les êtres humains sont nés libres. Ils ne sont pas nés naturellement libres. On croit toujours les hommes sont nés libres et égaux en droit. Non, pardon, les hommes naissent, excusez-moi. Les hommes naissent, déclaration de 89, les hommes naissent libres et égaux en droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils cessent de naître dans la condition où on était noble ou roturier, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont naturellement, du tout, égaux en droit. Ça veut dire que désormais, quand ils naissent, ils auront chaque jour les mêmes droits, tous les uns et les autres. Et donc, il y a là une responsabilité qui se fait constituante et qui se fait instituante. Et la question très importante, je trouve, de notre époque, c'est peut-être une régression du respect des institutions. Constitution, institution, les autorités liées à l'institution. Je ne voudrais pas avoir l'air hyper conservatrice, voire traditionnaliste, mais il n'y a pas de société où on puisse vivre libre, en paix, en sécurité, en cherchant soi-même son propre bonheur, etc., s'il n'y a pas construction d'institutions et de lois qui sont conformes aux grands principes. Et ce qui est très important, c'est ce que je veux dire, au fond, je n'ai peut-être pas dit clairement, c'est que le principe ne relève pas d'une connaissance. Il ne tombe pas du ciel, bien sûr, sauf éventuellement si on est croyant. Il y a des lois qui peuvent venir. Mais le principe, Hannah Arendt disait quelque part justement que les hommes naissent libres et égaux en droit, ça n'est ni évident ni démontrable. Et quelquefois, quand je dis ça à des interlocuteurs ou des amis, ils sont étonnés. Comment ça ? C'est pas évident que les hommes sont libres. Eh bien non, c'est pas évident. Ça n'est pas une donnée de l'expérience, de la raison, de la logique ou de l'expérimentation scientifique. Par conséquent, c'est quelque chose comme ce que les géomètres appellent un axiome ou un postulat.
c'est quelque chose qu'on postule pour construire une société humaine. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je dis que ça relève d'une responsabilité humaine à l'égard de son propre genre humain et à l'égard de ce que ben, les anciens appelaient l'éthique, la politique, c'est-à-dire la recherche de la justice. Et aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui menace ces progrès, justement? Qu'est-ce qui menace cette dignité de la personne humaine? Je veux dire, les exemples ne manquent pas, mais selon vous, qu'est-ce qui les menace le plus? Alors, un petit mot peut-être sur la dignité. Beaucoup d'entre vous savent que ce concept de dignité a pris toute sa force avec la philosophie morale de Kant. Et ensuite, elle a été introduite dans le droit comme respect de la dignité de la personne humaine et aussi de son corps. Alors, que disait Kant de si essentiel pour qu'on s'y réfère toujours quand on parle de la dignité? Eh bien, il disait une chose très simple. Il disait que les choses ont un prix, elles peuvent toujours avoir un prix, on peut toujours les évaluer de façon quantitative, et que les personnes ont une valeur. Alors on va dire, mais le prix c'est aussi une espèce de valeur, oui, mais c'est une valeur d'échange, c'est une valeur qui se compare à toutes les autres choses qu'on peut échanger de la même façon. Alors que la personne a une valeur, ça voulait dire pour lui, et ça veut dire pour nous, je pense, la notion de valeur intrinsèque, de valeur absolue. Pourquoi ? Parce que la personne, justement, n'est pas échangeable. Ce qui est important de penser dans la personne, et c'est son statut dans le droit, c'est qu'elle est unique. Elle est elle et pas une autre. Et c'est ce que Durkheim appelait la sacralisation moderne de la personne. La personne n'est pas échangeable. Et donc, elle n'a pas de prix. Si bien que c'est une manière de décliner un vieux concept, alors qui était déjà chez les Romains et même avant, qui était la différence entre les personnes et les biens. Sauf que, dans l'Antiquité, des personnes pouvaient devenir des biens ou être des biens, des instruments, comme disait, des instruments animés, comme disait Aristote. On lui met ça sur le dos comme si Aristote avait approuvé l'esclavage. Non, il a décrit ce que c'était que l'esclave comme instrument animé, ce qui voulait dire en fait un instrument vivant. C'est quelque chose qui vous sert dans la maison, qui vous sert à travailler, sauf que c'est un vivant et pas un outil, et c'est pas un vivant comme les autres, ce sont des hommes. Aristote n'a jamais pensé que les esclaves n'étaient pas des hommes. Donc, l'idée c'est que, je ne sais plus ce que je voulais dire... Mais peut-être justement... C'est important parce que... Mais justement, en prolongeant ce que vous dites, on en vient un peu à ce que le thème de votre dernier livre, hein, L'homme désincarné, et des thèmes que vous avez déjà abordés dans des livres précédents, justement à propos de la dignité humaine, en quoi, selon vous, le développement technologique constitue-t-il une menace pour l'éthique, pour la dignité humaine? On en vient justement, vous l'avez dit un peu, de considérer le corps comme quelque chose qui serait une marchandise, quoi. Donc on en vient un peu au thème qu'on souhaitait aborder, sur lequel vous vous êtes à maintes fois exprimé ces derniers temps. Il nous reste combien de temps, pardon, parce que il nous reste à peu près un quart d'heure. D'accord. Alors, donc je termine sur ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que je n'ai peut-être pas besoin d'insister. Dire que les personnes aujourd'hui, aucune personne n'a de prix, mais seulement une valeur absolue, ça veut dire que la personne humaine ne peut pas faire l'objet d'un échange marchand, et que et sa personne et son corps ne peuvent pas être des marchandises. Et c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup et qu'il ne faut évidemment pas négliger, qui est fondateur pour le coup. C'est-à-dire que c'est au nom de cette dignité de la personne qu'on a aboli l'esclavage. Alors je voudrais juste rappeler la définition en droit international de l'esclavage. L'esclavage consiste à exercer à l'égard d'une personne un des droits de la propriété.
que ce soit sur sa vie tout entière, sur son corps ou une partie de son corps, si on en fait l'objet d'une propriété, eh bien à ce moment-là, on a une forme, une certaine forme d'esclavage. C'est pourquoi je reviendrai tout à l'heure sur ce choc qu'a été pour moi la maternité de substitution, qui était un commerce. Une deuxième chose que je voudrais mentionner là-dessus, c'est le rapport entre la possibilité pour la personne de devenir dans sa propre chair, ses propres cellules, ses organes, etc., un objet de commerce est lié effectivement à certaines techniques, à certaines technologies. Et je dis quelque part plusieurs fois que, au fond, aujourd'hui, dans la médecine, et déjà avec certaines techniques qui sont faites pourtant pour réparer les vivants, comme on a dit de manière si belle, déjà dans la transplantation d'organes, eh bien, cette belle chose qui consiste à sauver une vie à l'aide d'un donneur vivant ou décédé, mais cette chose a donné lieu à une perversion terrible qui est le trafic des organes dans le monde et qui est une monstruosité qui frappe ici les pauvres, là les miséreux, là encore les réfugiés, comme en Égypte, auxquels on propose pour quelques dollars ou quelques monnaies locales de leur prélever un rein et qui n'ont rien et qui l'acceptent. Et c'est des choses tout à fait effroyables. L'autre aspect, c'est le fait qu'on est dans une culture qui, alors ça tient à un système économique, ça tient à ce que j'aurais envie d'appeler un productivisme général, un idéal de productivité, de croissance à tout prix, qui est lié évidemment au capitalisme, à la recherche du profit sans limite et sans frein. Ça, je pense qu'on ne peut pas dissocier les problèmes posés par les technologies et l'innovation de la recherche du profit. C'est parce qu'il y a une recherche du profit qu'on veut produire toujours plus. Et alors, j'étais très frappée en lisant notamment Jacques Testard, par exemple, vous savez, le fameux médecin qui, avec René Friedman, a fait pour la première fois ce qu'on appelait à tort d'ailleurs un bébé éprouvette, ce n'était pas un bébé, parce qu'il n'y a pas de bébé qui naît sans éprouvette encore, mais l'embryon qui était dans... C'est intéressant que les journalistes aient appelé ça bébé éprouvette. Pour l'imaginaire, c'était évidemment plus intéressant. Mais c'était simplement la fécondation in vitro. Et alors, ce qu'a dit Jacques Testard, qui lui est un chercheur qui a renoncé à chercher dans certaines directions en disant non, moi je dis stop, parce que là, on est en train d'aller vers des choses de plus en plus inquiétante pour l'être humain, et je vous renvoie à ses écrits depuis l'œuf transparent jusqu'à le dernier livre sur le transhumanisme. Alors ce qu'il a bien montré, mais ce qui est assez pénible à dire, c'est que la fécondation in vitro, l'insémination artificielle, le transfert d'embryons, tout ça n'a été, selon lui, il est bien placé puisqu'il était chercheur à l'INRA et que c'était son métier. Son métier était de chercher comment, en fait, faire produire des embryons à des vaches, des embryons de très bonne qualité, donc avec insémination d'un taureau de très bonne qualité, production d'embryons, multiplicité d'embryons et transfert de l'embryon dans des vaches tout à fait ordinaires qui servaient en quelque sorte de je dirais pas mère porteuse, ça ferait vraiment désagréable, mais qui servait de porteuse, femelle porteuse. Et donc, c'était ça, les techniques. Les techniques, c'est ça. Et il ose dire, d'une manière assez provocante, c'est assez choquant quand même, au fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transposé ces techniques vétérinaires d'élevage, de recherche de la meilleure qualité, etc. On les a transposées chez l'être humain pour d'autres raisons, bien entendu. C'était pour donner une réponse aux couples qui souffraient de stérilité. Mais néanmoins, lui, il a été très sensible à la comparaison. Il a été horrifié par ce transfert de technologie, en quelque sorte. Et il a dit, mais au fond, on fait de l'anthropotechnie, c'est-à-dire on va vers ce que j'appelle l'homme fabriqué, moi, on quitte un peu l'homme charnel, l'homme individuel, et on va vers l'homme fabriqué avec tous les risques que ça implique de sélection,
Et c'est ce qu'il remarque aussi. Dès l'instant qu'on fabrique l'embryon, il sera presque, dès l'instant qu'on fait ça, il deviendra presque inéluctable de les sélectionner, et c'est déjà le cas. Et puis je prends un autre exemple aussi, c'est le clonage. Le clonage de l'être humain à visée reproductive est formellement interdit. Mais comme vous savez, il y a un très grand engouement pour le clonage des animaux, les chevaux, les chiens, les chats, les chevaux de course. Et j'étais frappée en voyant une grande entreprise spécialisée dans le clonage des animaux familiers. Et tenez-vous bien, cette entreprise s'appelle, ça ne s'invente pas, Best Friend Again. Vous avez perdu votre animal familier que vous aimiez tant, c'est pas si grave que ça, on va vous refaire le même. Et c'est complètement stupide, c'est d'une bêtise absolument hallucinante, c'est-à-dire comme si l'ami, fût-il un animal, était reproductible. Et donc c'est là un grand leurre de la technique, mais certains effectivement tombent dedans. Comment échapper à ce leurre, comment échapper à cette espèce de promesse de la reproduction à l'identique. C'est une question extrêmement grave. Oui, mais alors, la question, on a dû vous la poser mille fois, mais je vais vous la reposer pour la millénième. Est-ce que, justement, en sachant que tout progrès, suscite une perversion, vous l'avez dit, les recherches sur l'atome, ça a malheureusement donné la bombe atomique et Hiroshima, etc. Est-ce que du coup on doit cesser de faire ces recherches, parce que la PMA, ça a quand même permis à des couples stériles d'avoir des enfants, je veux dire, et ça c'est quand même un progrès. Alors après qu'effectivement vous dénonciez le risque de marchandisation des corps, ce qui est effectivement le risque. Tous les instituts internationaux, comme la conférence de La Haye, par exemple, écrivent noir sur blanc, puisque maintenant on ne dit plus maternité de substitution, maternité pour autrui, mère porteuse, etc. On dit GPA, parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique en apparence, et comme si la gestation était l'utilisation d'un organe accessoirement. On l'utilise, on ne l'utilise pas, enfin bon. Et puis en plus, pour autrui, c'était forcément altruiste. Non, en réalité, ça n'existe pas. Il y a eu quelques cas, bien sûr, entre sœurs, cousines, dans le passé, personne n'en parlait et on n'aurait pas fait des lois pour ça. Mais que dit la conférence de La Haye? Ça fait des années, elle répète. Maintenant, donc, la GPA est un marché mondial en plein essor. C'est un énorme marché et qui rapporte énormément d'argent. Et en lisant cela, en voyant tout ce qui se passait dans les différents pays, le développement incroyable aux États-Unis, avec les prix délirants que l'on connaît et même dont certains se vantent, dépenser 100 000 euros quand même pour aller chercher un bébé, c'est pas rien, et puis on vous dit après, non, mais c'est fait par altruisme. Développement énorme dans les pays de l'Europe centrale, notamment en Ukraine, des Ukrainiennes à qui on met dans la tête l'idée qu'elles ne sont pas enceintes, elles sont juste des, je cite, incubateurs. Et elles répètent ça, elles se convainquent elles-mêmes qu'elles sont des incubateurs. Et puis, en Asie, énormément aussi. Et alors là, on constate quelque chose d'intéressant, c'est que beaucoup de pays asiatiques se rétractent, se reviennent, ils ferment les pays. Et ils disent non, on ne veut plus d'étrangers, parce que ça devenait littéralement des réservoirs de mères porteuses. Et un peu comme en Ukraine, les femmes ont dit attendez, on n'est pas toutes des putes, elles ont dit aussi attendez, on n'est pas toutes prêtes à faire des bébés pour les populations des pays riches. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça aussi? Je pense ici à un recueil de textes extraordinaire, remarquable, qui s'appelle c'est sur les marchés, ils appellent ça les marchés cannibales. Les marchés cannibales, ce sont des marchés néocoloniaux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que des populations riches, alors soit dans leur propre pays, notamment aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays européens, c'est absolument interdit, hein, la GPA, beaucoup de populations riches du globe tout entier vont chercher des mères, j'allais dire mercenaires, sans jeu de mots, ou avec jeu de mots, dans les pays pauvres.
C'est le grand trafic, c'est ça. Alors aujourd'hui en Ukraine, vous avez des grandes agences qui vous promettent alors des tas de choses, notamment pour les VIP. Vous avez des contrats. Pour comprendre le phénomène, il faut lire les contrats qui surveillent la vie des mères porteuses de A jusqu'à Z dans les moindres détails, leur vie sexuelle, je passe. Et qui vous disent aussi, vous pouvez aussi avoir une assurance annulation si jamais votre couple se sépare, par exemple. Bien, vous pouvez annuler, je cite, vous pouvez annuler le processus en cours de route. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Bon. Assurance aussi, assurance vie de la mère porteuse, parce qu'on meurt encore en accouchant. Bon, j'ai tellement parlé de ça. Oui, mais alors, justement, ce qui est intéressant, oui. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est que votre opposition à la GPA, il faut préciser voilà, que pour vous, vous allez peut-être me rectifier, c'est moins, j'allais dire, une hostilité religieuse, comme ça peut se trouver dans différentes églises, que, en fait, la dénonciation d'un phénomène du libéralisme poussé à l'extrême. C'est-à-dire que, voilà, comme vous le disiez, c'est devenu un marché, comme on vend des ordinateurs, des voitures, etc. Mais maintenant, on se spécialise, tiens, on vend des mères porteuses. Oui, oui. En fait, c'est plus ça que vous dénoncez. Bien sûr, face à ce... Même si j'imagine que dans votre condamnation, il y a aussi une part morale qui intervient, mais c'est d'abord une réflexion sur une exploitation d'hommes par d'autres hommes, qui est la définition du capitalisme et du libéralisme. Oui. La condamnation morale, parce que moi je suis comme Ricoeur ou comme Aristote, dont il est proche, je ne sépare pas la morale, l'éthique et le droit. Parce que tout ça, c'est une question de recherche de la justice. La question, c'est la justice. Et comme dit Ricoeur de manière très très belle, l'éthique, c'est quoi? Eh bien, il dit c'est trois soucis. C'est le souci de soi, vieille idée, chacun cherche son bonheur. C'est le souci d'autrui. Morale traditionnelle, morale religieuse, morale laïque, on ne fait pas de mal à autrui, et c'est le souci des institutions justes. À partir du moment où vous dites ça, vous êtes à la fois dans l'éthique, la morale, et cette éthique dont Aristote disait, il faut bien l'éthique parce que chacun s'arrange avec sa morale, on cherche tous au fond notre bonheur, nos intérêts, etc. Mais qui a besoin de l'éthique? Qui? Eh bien le législateur, c'est ce que dit Aristote. Il y a quelques-uns qui ont absolument besoin de l'éthique, c'est les législateurs. Donc quand je parle de morale et d'éthique, je ne condamne jamais, au grand jamais, les victimes du marché. J'ai jamais condamné moralement ni les femmes ou les hommes qui étaient conduits à se prostituer, et parfois forcés, et souvent forcés, ni les femmes qui, pour une raison quelconque, et pour une raison économique, acceptaient, consentaient à servir de mère porteuse. Jamais. Je suis pas, vous me dites, vous êtes contre les mères porteuses. Non, pas du tout. Je suis contre le marché des ventres. C'est tout à fait différent. C'est le marché qui est responsable. Et toute la question pour moi, c'est la question justement des limites du marché. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut absolument cesser de croire, puisque je vais venir à la croyance, et qui pourtant alors, progresse sournoisement dans notre mentalité, c'est un certain ultra-libéralisme qui, justement, considère que le marché, les marchés, doivent finir par régenter, par gouverner toute la société. C'est le marché sans limite, c'est ce que le très grand auteur Alain Supiot, qui est professeur au Collège de France, appelle le marché total, la tendance au marché total. Non pas l'économie de marché, le marché a ses vertus, mais la société de marché où tout pourrait finalement s'acheter, se vendre, s'échanger, même le corps humain. Ça c'est vraiment le grand danger. Et j'ajouterais, et peut-être pour finir, parce qu'il ne doit plus nous rester beaucoup de temps, alors ça, c'est mon inspiration marxiste, il y en a une quand même, c'est la question de savoir, au fond, voyez, quand on parle de l'enfant, par exemple, du désir d'enfant, on fait comme si... comme ça, tout à coup, tout le monde désirait avoir des enfants, alors qu'avant, les choses se passaient différemment. D'abord, on a surtout désiré pour les femmes ne pas avoir forcément des enfants. Ça, c'était quand même un grand progrès, pour le coup, d'être pas obligée d'en avoir tout le temps, contraception et même IVG, à défaut de la contraception. Et
Et maintenant, tout à coup, c'est très surprenant pour une femme de ma génération, on a l'impression, oh là là, on finit, qu'il y a un formidable désir d'enfant, que tout le monde ne pense plus quelque chose, avoir des enfants, non. Bon. Et je dis, pourquoi ? Pourquoi quand même ? Et ça, je n'avais pas compris à l'époque de Corps en miettes. Et je dirais que il me semble que ce désir est augmenté, à une gigantesque inflation à cause de la proposition du marché. On nous dit partout, mais allez, vous pouvez, tout est disponible. Les cellules, les organes dans certains cas, les ventres, les cellules, l'accouchement, etc. Tout est disponible, tout est à votre portée, il suffit de payer. Eh bien, c'est une façon terrible d'exciter tous les désirs. Alors, avant de conclure, on va diffuser un petit générique et puis ensuite passer à des questions à la salle. Je voudrais quand même, on ne peut pas finir cette conversation sans aborder un peu, on vous a entendu, ici tout se passe calmement. Et il faut rappeler quand même qu'il y a quelques jours à Bordeaux, vous deviez venir faire une conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne sur ces thèmes. Et que voilà, une poignée d'étudiants se réclamant de la cause LGBT a menacé de perturber violemment peut-être votre conférence qui a donc été annulée. Faut quand même rappeler ce qui a été dit, parce que vous avez été présenté comme une philosophe homophobe, que vous avez milité pour le Pax et ensuite pour le mariage pour tous, et que donc je pense que de ce côté-là, il n'y a aucun soupçon d'homophobie qui peut vous être adressé. Et ça veut dire, c'est quoi ? C'est que votre discours dérange, que peut-être justement parce que vous êtes une philosophe, j'allais dire, étiquetée de gauche, ça ne passe pas le fait que vous soyez opposée à la GPA, à cette marchandisation du corps, et qu'il y a un politiquement correct, peut-être d'ailleurs dû aux médias dont je fais partie, qui fait que maintenant, la GPA, comme vous l'avez dit, c'est devenu quelque chose de... Pourquoi s'opposer à la GPA ? C'est dans l'air du temps, c'est dans le progrès. Quand j'ai écrit la première fois Corps en miettes, réédité en 2013 avec un complément qui était un malentendu politique, j'ai dit, il y a un malentendu sur cette question, mais quand j'ai abordé cette question, telle que je l'ai évoquée tout à l'heure avec vous, j'avais évidemment le sentiment que cette pratique sociale, parce qu'il ne s'agit pas seulement de technique, il s'agit vraiment de pratique sociale, d'utilisation des personnes et d'une femme qui va servir d'instrument, instrument de production d'enfants. Hein, des féministes américaines l'ont dit bien avant moi. Bon. Et pour moi, c'était une formidable régression. C'était une régression. Certains ont dit, oh, mais il y avait déjà des mères porteuses dans la Bible, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils n'ont absolument pas lu la Bible. Il y a des femmes qui, effectivement, ont été utilisées parce que c'était des esclaves, n'est-ce pas, comme dans le cas d'Abraham et Sarah. Il va vers sa servante, la servante Agar. Mais la servante Agar, comme vous savez, son histoire n'a pas très bien terminé, puisque Abraham n'avait pas d'enfant. Sarah était trop vieille, elle avait presque 100 ans pour avoir un enfant, et il se tourne vers la servante qui va lui donner un fils. Mais ensuite, miracle, Sarah est enceinte, et la servante est chassée avec son fils, d'une part parce qu'elle est toujours considérée comme la mère, et que maintenant que Sarah a un enfant, on n'a pas plus besoin de l'enfant de la servante. Donc nous donner comme exemple, premier exemple biblique d'une mère porteuse, le cas de la servante Agar, c'est quand même un tout petit peu gros. Pardon, je vais dépasser mon temps. En tout cas, quand j'ai traité de cette question à l'époque de Corps en miettes, en 2009 et en 2013, j'ai bien précisé toujours, la question n'est pas de savoir qui se sert d'une femme comme mère porteuse. Je ne veux pas le savoir, est-ce que c'est un homme, une femme, un couple homme-femme ou un couple homosexuel ? Même pas, j'en ai même pas parlé parce qu'on n'avait pas conscience en 2009 de ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire, et malheureusement, un militantisme gay, pas tout militantisme gay, loin de là, mais une partie du militantisme gay revendique ça aujourd'hui comme un droit, le droit d'avoir une mère porteuse. Mais moi, mon idée, ce n'était pas du tout qui s'en sert, c'était simplement, c'est intrinsèquement injuste, odieux, c'est une forme d'esclavage.
c'est une régression, je veux dire, et je suivais en ça beaucoup, beaucoup de féministes. D'ailleurs, en France, il y a au moins 40 associations qui sont complètement sur cette position. Et c'est simplement quelques voix qui sont très, très amplifiées par la presse, qui disent oui, oui, c'est un progrès. C'est pas du tout, je peux vous garantir, la majorité des féministes. C'est pas vrai du tout. Donc la question n'est pas là. Mais de fait, le fait que, et à cause du marché, je pense que c'est pas en tant que c'est pas les homosexuels qui ont inventé cette chose, c'est à cause du marché, la tentation est extrêmement grande. Et à ce moment-là, on a ressenti le fait, la critique féministe, juridique et éthique de cette pratique est passée pour une opposition à ces pratiques, et donc il y avait une contradiction. Mais moi je suis très, comment dire, très très choquée qu'on puisse m'attribuer un qualificatif comme homophobe. Ça m'est tellement étranger, c'est tellement impossible pour moi de me dire toujours été pour la liberté intégrale des mœurs, pour le mariage et ça. Mais si on me dit, comme j'ai lu quelque part et dans bien des endroits malheureusement, eh bien l'homosexualité, ça conduit nécessairement à la liberté d'acheter des grossesses et des accouchements aux femmes, je dis non, c'est pas négociable. Pour moi, c'est pas négociable. Très bien, merci. On va envoyer le générique.